fête de la musique, occasion pour ceux qui se sentent une âme d'artiste de donner toute la mesure de leur talent ou d'aller applaudir les musiciens qui se produisent sur scène. Chanter pour beaucoup est un rêve. Dans les écoles de spectacle travaillent de nombreux jeunes. Caroline Balma a rencontré ses futurs Hugues est là donc depuis, je crois, un an et demi. Il a déjà fait de gros progrès. Il travaille avec une motivation assez polyvalente. Gilles est beaucoup plus débutant. Il est arrivé cette année, donc il démarre son travail. Ce sont des élèves sérieux dans l'école qui ont un espoir professionnel, qui ont très très envie et qui se donnent beaucoup. D'accord, on monte. Écoute bien la première note. Je m'appelle Gilles, j'ai 21 ans. Ça fait 10 mois que je vis à Paris pour l'école supérieure du spectacle. Eh bien, c'est un grand sacrifice, oui, puisque bon, je laisse ma famille, mes amis et bon, mon île. Ça, c'est sûr. Mais je crois que quand il faut y aller, il faut y aller, quoi. Aborder l'école, c'est difficile, quoi. N'ayant rien fait auparavant et débutant dans tous les domaines, c'est très difficile. Gilles a un timbre de voix intéressant. Il a pas mal de possibilités vocales, mais il a un problème respiratoire. C'est-à-dire qu'il ne respire pas assez par le bas du ventre. Il a une respiration de poitrine, ce qui lui enlève un peu de longueur au niveau des sons. Mais par contre, c'est quelqu'un d'assez rythmique, d'assez physique. Suivez la main des yeux. Basculez le bassin, avancez le talon tous les deux. Tourne la jambe en dehors, plus à la seconde, plus en dehors à la seconde, Gilles. Avance le talon. Et l'autre côté. Je m'appelle Hugues. Je suis né à la Guadeloupe. Voilà, j'ai 26 ans. Je me destine en fait à la comédie musicale. J'ai jamais pris de cours de chant à la Guadeloupe, donc je chantais comme ça d'instinct, quoi, parce que j'avais l'oreille et tout. Mais les cours de chant, pour moi, ça a été une grande souffrance, quoi. On est ici pour former humainement, artistiquement, techniquement, des jeunes pour leur faire comprendre comment se comporter de façon humaine, de façon intelligente et technique dans les métiers du spectacle et de l'écran. Si vous voulez vous lancer vous aussi dans la chanson, vous pouvez participer à des stages durant l'été. Il faut s'adresser à l'école supérieure du spectacle.